avec le groupe Voleur de Poule. L'ambiance est un peu déjantée, c'est la pression avant le grand soir. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le groupe? Bien sûr, nous avons Joe, la roulotte, à la guitare. Piédestal à la contrebasse. Ono Baller à la batterie. Boulou le bec. À la clarinette. Boulou le bec joue la clarinette basse. Pas aujourd'hui, non, aujourd'hui pas la clarinette basse. Il y a mon téléphone. Tu peux répondre, hein, c'est pas grave. Naturel total, et pas de soucis. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu les influences musicales qui composent votre groupe? Bah écoute, à la base, on était parti sur le répertoire de Jeanne Gorenhart. C'est ça qu'on a joué au départ quand on avait notre violoniste encore et quand on était encore à trois guitares. Et puis depuis, ça a bien changé parce que bon, moi, en fait, je ne sais pas du tout jouer ce style-là. Je commence un peu par hasard. Du coup, j'ai essayé un peu au début de jouer... d'apprendre dans le style, mais c'est fort exigeant et j'ai pas envie de m'y mettre à travailler autant ce truc-là. Donc moi, pour ma part, je fais un peu comme ça me vient. Moi, je joue beaucoup de blues et de rock. Voilà, maintenant, on est passé aux guitares électriques. Le violon est parti, c'est remplacé par Jus, qui est, enfin Boulou, qui joue qui, du sax et de la clarinette. Donc on a mis une batterie, donc c'est plus vraiment le style manouche. Et ça va comme ça va, en fait, on fait absolument rien pour cadrer les choses. Il n'y a pas de but, d'objectif prévu, s'amuser. Ouais, faire amuser les gens. Alors, c'était comment? Super beau. Super, super, super. Alors là, j'ai adoré. Vraiment génial. Très bien, très plaisant, ouais. C'était vraiment chouette. Non, je présente, mais c'était super chouette comme concert, ouais. Vraiment très bien. Bah, c'était très bien pour nous. C'est pas une première, parce que j'avais eu l'occasion de les voir au Jeanne Gorenhart à Liberchy il y a quelques années, je pense maintenant. Bah, le groupe a vraiment bien évolué. Dommage que maintenant, quatre des musiciens ont quitté la région, mais bon, voilà, ils restent quand même des carolos de cœur, donc un grand plaisir de les voir ce soir. Nous avons fait un sold out, il y a plus de 300 personnes ce soir ici à la Ruche Théâtre. Une belle première pour le partenariat que nous faisons ici avec l'Eden. Donc voilà, je pense que le public est ravi. Alors est-ce que c'est vrai ce qu'on dit, la Ruche Théâtre devient un des pôles les plus importants pour la jazz music ici à Charleroi? Oui, tout à fait, la Ruche Théâtre a pour mission de développer le jazz. Et donc voilà, nous avons au minimum une soirée jazz par mois. Et ça ne fera que s'amplifier avec les mois à venir. Merci beaucoup. Merci.